Maurice était aveugle. Voilà, voilà le début de l'histoire, couillon. Putain, c'est un truc de tarbé, ça. Juste tarbé, c'est pas plus. Ouais, non, ouais. On commence. On y va, recule, recule. Attends, je fais l'aveugle. Ouais, tu peux faire l'aveugle, ouais. Alors, je suis vraiment derrière toi, je suis ici. Ok, Kevin, je te vois un peu. Bon, allez, c'est parti. Un truc, attends, de... Ah merde, c'est quoi le truc qu'ils arrêtent pas de dire? Pétard. Pétard. T'es à ton tour, hein? Oui, c'est vrai. Mais je prends de l'élan. Jean-Maurice était aveugle. Oh, pétard. La voilà, couillon, le début de l'histoire. Il vivait dans une cité phocéenne. Une cité phocéenne, je regarde le... En fait, je regarde l'écran. Et du coup, je suis pas dans l'axe. Ouais, du coup, aussi, tu regardes vers la cam, hein, que je veux pas. Bon, allez. Vise. Ah non, mais non, toi aussi, tu peux te le permettre. Viser la lune, ça me fait pas peur. Allez, c'est parti. Jean-Maurice était aveugle. Oh putain, oh pétard. Là voilà, je me suis raté. Je vais mettre ça comme ça. Ouais, mais j'ai rien dit. Il peut me dire. Oh, faudrait faire une version Rambo aussi. On refait. Jean-Maurice était aveugle. Oh pétard. Là voilà le début de l'histoire. Il vivait dans une cité phocéenne que les gens avaient appelée Marseille. Marseille.